Wesh grosse. À première vue, elle a l'air très conne. Oh non Nani, au moins je pensais pas que Nani allait venir là. Salut. Bonjour Nani. Quand je me suis fait mon petit bobo là, c'est quand j'étais parti à la forêt avec des champignons, avec la batte de baseball, et puis y a mouche qui m'a piqué, puis ben moi tombé de l'arbre. Il est laid, gros, moche et très con. Que voulez-vous? Bon allez, on va réveiller les fauves. Allez les fauves, on se réveille. Bon fauve ça. Je m'en fous. Bah tu peux te casser alors. Ok. C'est mort. Mais moi je suis en vacances. Qu'est-ce qu'ils foutent là vos gosses? Bah on veut les caser. Un peu comme dans les goulags. J'ai soudainement été envahi par une envie de meurtre. Je suis en vacances. J'emprunte votre bagnole. C'est le petit piou-piou, il va échanger sa couche. Allez viens le petit piou-piou. Piou-piou, mes mères ça. Salut, je suis de retour. Bah, Nani, elle m'a enfermé dans les toilettes. C'est faux. Allez, le ptio, on se réveille, il est 20h. Et elle a fait une bonne sieste, le ptio. Un vrai laidron. Allez, mon petit plouc, t'enfiles le pantalon, là. Vous habillez les ploucs? Ouais, c'est ça que c'est très important, le style vestimentaire chez les ploucs. Oh nom de Dieu, il marche aussi bien que le père. Nom de Dieu. Pose-moi ça au sol. Voilà. C'est qui le patron? Les animaux, ça se met dans le coffre. Arrête-toi, connasse, faut que j'aille chier, mon cul est en flamme, grouille-toi. Trop tard. Ça embête la merde. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus.